C'est parti! On n'aurait pas un peu exagéré avec les décorations? Tout le monde sait que le plus important à Halloween, ce sont les décorations effrayantes! N'importe quoi, Bex! Le plus important à Halloween, ce sont les snacks de folie! Regardez ces friandises! Trop chou! Loulou, il faut en garder pour la fête! Il est forcément quelque part, je suis sûre de l'avoir vu. Mais où est-il? Câlin groupé! Merci, j'en avais vraiment besoin. Mais vous allez sûrement le regretter une fois que vous saurez ce que j'ai fait. Voyons, Charlie, ça ne peut pas être si terrible que ça. Mais oui, on t'aime peu importe ce que... J'ai perdu tous nos costumes d'Halloween assortis. J'ai gâché Halloween. Personne ne va s'amuser et ce sera entièrement de ma faute. Voyons, Charlie, ces costumes doivent bien être quelque part. Oui, à quoi ressemblait la boîte? Elle était grande et marron et carrée. Comme n'importe quelle boîte, quoi. Ça ne nous aide pas vraiment. Pas besoin d'en rajouter. Essaie plutôt d'aider. Oh, you're right. Oui, c'est vrai. Allez, tout le monde, si on se met tous à chercher, on peut trouver cette boîte. Pas ici. Je ne la vois pas non plus, Tilly. Théo? Théo! Non! Ça va, mon bonhomme? C'est quoi ça? Charlie, on l'a trouvé! Oui! On va être des super-héros! Oh. Non! C'est pas si mal! Des robes de princesse! J'ai commandé des costumes de super-héros! C'est un désastre! Je ne sais pas, je crois que la mienne me fait sauter plus haut. Mais ce n'est pas ce qui était prévu. Halloween est complètement... Charlie, regarde, c'est génial. Essaye. Halloween revient en force. Musique. Pourriez-vous venir à ma fête très effrayante? Je suis désolée, les bébés. Je ne voulais pas vous faire peur. Ah, vous voulez donc bien venir à ma fête effrayante. Alors que la peur commence. Bienvenue à la fête, mes demoiselles, monsieur. Venez, les bébés, que la fête commence. Oui, oui.
Quoi? Et maintenant, les bébés, c'est l'heure du plus important des jeux d'Halloween. Des bonbons ou un sort? Pour jouer à des bonbons ou un sort, on a besoin de trois choses. Premièrement, un déguisement. Deuxièmement, un seau. Et troisièmement, une porte à laquelle frapper en criant des bonbons ou un sort. Les bébés, il vous suffit d'aller frapper à cette porte en criant des bonbons ou un sort pour recevoir un bonbon. Allez, Lulu, essaie pour voir. Des bonbons ou un sort. Oh, voilà une belle licorne. Tiens. Oh, un four. Ça alors, c'est Peppa Pig. Voilà pour toi. Oui. Papa, Outa. Les bébés, c'est fini maintenant. Je n'ai plus de bonbons. Donc le jeu est terminé pour cette année. Maman, désolée, petit Power Rangers, mais je n'ai plus de bonbons. Gardez votre calme. Glopixis, au secours. Charlie, on ferait mieux d'y aller? Oui. Ouh, qui sait ce qui peut se passer le jour d'Halloween? Heureusement que vous êtes là, les Glopixies. Ces bébés veulent seulement jouer à des bonbons ou un sort, mais je n'ai plus de bonbons. Oh, plus de bonbons? Le jour d'Halloween? Ce n'est pas... Vous pensez à la même chose que moi? C'est le plus bel arbre à bonbons qu'on ait jamais fait, Glopixies! Je crois que rien ne peut arrêter ces bébés de jouer à des bonbons ou un sort. Faites de beaux rêves, les bébés. N'ayez pas peur, les enfants. Ce n'est que moi, Charlie. J'ai besoin de votre aide. Vous vous souvenez de ce que Théo a fait tomber quand il m'a vu pour la première fois déguisé en Dracula? Revoyons-le pour essayer de le découvrir. Prêt? Allons-y! Gordon. Qu'en pensez-vous, les bébés? Enseignons quelques tours à Gordon. Ok, commençons par quelque chose de facile. Gordon, assis. Gordon, assis. Par terre. Sur ton derrière. Regarde. Oui, exactement comme Théo. Allez, mon beau, assis. Non! Bien, essayons
la pâte. Tilly, tends ta main et dis la pâte. Allez mon beau, fais une roulade. Regarde faire les bébés, tu vois? Tu peux y arriver. Roule. Oh oh, oh, trop de roulades. Ok, en voici un vraiment facile. Pas bouger. Pas bouger. Pas bouger. Pas bouger. Il a réussi! Oh, ah, bravo, Gordon! Glowpixies, au secours! À vos marques, prêts, partez! Au secours! Eh bien, les Pixies, on dirait que notre course volante devra attendre. Charlie a besoin d'aide! La première à passer le portail. Hé, c'est pas juste. Quel est le problème, Charlie? On essaye de dresser Gordon, mais il ne pense qu'à jouer. Oh, pas étonnant. Regarde toutes ces super choses. En fait, Sammy a peut-être raison. Si Gordon veut juste s'amuser, alors... Rendons l'apprentissage amusant pour lui. Ainsi. Bravo. Roulade. C'est trop facile. Passons au niveau supérieur. S'en tenir à... assis. Non, c'est dégoûtant. C'en est assez. Les bébés, vous devez apprendre à aller sur le pot. On commence aujourd'hui. Hein? Ça, c'est un pot. À partir de maintenant, quand vous avez envie de faire pipi ou caca, vous devez vous asseoir là-dessus. Facile. Bon, vous devez aller sur le pot. Bon, je vous explique encore une fois. Du pot.
Comment vais-je vous apprendre à aller sur le pot? Rien n'y fait. Vas-y, Théo, c'est ta chance d'aller sur le pot. Oh, Sienna, quel merveilleux goûter! Non, Tilly! Oui, et les gâteaux sont absolument exquis! Oh, merci, mes élégantes amies Pixie! Allez, les bébés, vous pouvez le faire! Allez juste sur le... Oh, trois couches pleines. Glow Pixies, venez à mon secours. Abandonnez le navire, abandonnez le navire. C'est quoi cette odeur? J'ai besoin de votre aide, les Glow Pixies. J'essaye d'apprendre au bébé à aller sur le pot, mais je n'y arrive pas. Ça se sent. Des bulles anti-odeur. Bien vu, Gigi. Mais il n'y a pas de temps à perdre. Allez, les Glow Pixies, changeons ces couches. Reculer, substance dangereuse en déplacement. Bon, vous devez aller sur le pot. Ah, tu as réussi. Tu l'as fait dans le pot. C'est fantastique, ma puce. Vas-y, ma belle. Oui, vas-y, Tilly. Tu comprends? Et
aidez-moi, Glopixies. Il pleure et je ne comprends pas ce qui ne va pas. Alors ça, c'est vraiment une odeur horrible. Mille papillons, j'ai déjà senti cette puanteur. Oh, oui, je pense qu'on devrait vérifier la couche de Lulu. La couche? Mais oui! Bonne idée, Gigi! Prête? Prête! Oui! Cela est extra puante aujourd'hui, Lulu! Ne t'inquiète pas, Lulu! On va tout arranger! Pixies, vous nous avez encore sauvés aujourd'hui. J'aimerais aussi pouvoir faire quelque chose pour vous. Eh bien, il y a peut-être quelque chose. Encore moi, Charlie. Mais cette fois, j'ai perdu mon seau. Il était sur la tête de Théo. Mais maintenant, je ne me souviens plus où je l'ai mis. Tu veux bien regarder encore et voir si tu peux m'aider à le trouver. Charlie, les bébés, nous avons besoin de votre aide. Je suis désolée, les bébés. Laissez-moi nettoyer ça. Eh bien, quelle arrivée. Et attendez, les Glopixies. Vous avez bien dit que vous aviez besoin de notre aide. Oh, coucou. C'est qui, ce Boutchou? Je te présente Princesse Ellie. Et c'est pour elle que nous avons besoin de ton aide. Exactement. Ellie vit aussi dans la forêt scintillante. Et la nuit dernière, il y a eu une grosse tempête. Il y a des branches partout. Tout est sans dessus-dessous. On a pensé qu'Ellie pourrait jouer ici avec toi, les bébés, pendant qu'on aide à nettoyer. Bien sûr! Qu'en pensez-vous, les bébés? Ça serait amusant, non? Viens, Princesse Ellie. Tiens, les affaires de Princesse Ellie. C'est juste son sac avec sa tasse et son assiette spéciale. Merci, Charlie. On revient le plus tôt possible. Viens, Ellie. Allons jouer! Une petite pique.
Pixie m'a dit que quelqu'un adorait les fraises. Une pour Kili, voilà pour toi Lulu. Ne t'inquiète pas Théo, je ne t'ai pas oublié. Tilly, ne t'inquiète pas, je vais la retrouver. Ah ah, je l'ai. Et voilà Tilly. Ok, ok. Tu prends celle-ci et j'en donnerai aussi une autre à Ellie. C'est si gentil de ta part de vouloir partager Tilly. J'imagine que je l'ai mérité. Tilly, on ne jette pas la nourriture. Ellie s'est bien amusée aujourd'hui. C'est l'heure de rentrer, Ellie. Ne pleure pas, princesse Ellie. Tu pourras toujours revenir jouer une autre fois. Allez, va dire au revoir au bébé. Est-ce qu'Ellie vient juste de grandir? Désolé, les bébés. Il fait juste si froid, hein? On aurait vraiment chaud sans ce ventilateur, hein? Congélateur et régler la minuterie. Comment Charlie et les bébés s'en sortent? Lopixis, au secours! Je dirais que ça ne va pas très bien. Je suis coincée. C'est terrible. Pastèque, ma préférée. Concentre-toi, Gigi. D'abord, nous devons décoller Charlie et les bébés et les rafraîchir. Et si... Oh, oh, oh! Fais le truc des flocons de neige. C'est si beau. Je m'en occupe.
Pixies. Un timing parfait, pourquoi? Friandise glacée. Oh, regarde! La mienne est une sucette. Quoi? C'est délicieux. Salut, c'est moi, votre pote, Charlie. Vous vous demandez si vous pouvez m'aider? Lulu a perdu son petit mouchoir. Vous l'avez vu? Cherchez encore et regardez si vous le trouvez pour moi. Merci les enfants. On a réussi les bébés. Regardez notre jolie cabane de gnoc. Hein? Oh non! Oh, pas encore! Non! Ce n'est pas grave, Tilly. Allez, les bébés, recommençons! Surprendre le Père Noël peut commencer! Cette année, c'est sûr, nous aurons une photo du Père Noël en train de déposer des cadeaux. Regardez ça, les bébés! Tilly a pensé à tout! On peut prendre des photos du Père Noël sous tous les angles. Il ne nous échappera pas cette fois-ci! Hein? J'espère que tu ne couvres rien. Surtout la veille de Noël. Ne t'inquiète pas, nous allons te soigner en un rien de temps. Ah. Oh non, Théo, tu as de la fièvre. J'espère vraiment que tu n'as pas la grippe. Oh non, Lulu, toi aussi tu as de la fièvre. Tiens, Tilly, une bonne soupe pour t'aider à aller mieux. Tu en as assez mangé pour le moment. Voilà. Bien au chaud dans ton cocon. Tout le monde se repose maintenant. Je vais rester debout et prendre le Père Noël en photo. Au moins, moi je ne suis pas malade. Achou! Je suis malade. Ne vous inquiétez pas, les bébés. Quoi qu'il arrive, je ne m'endormirai pas. L'appareil photo est juste... Si on a raté le Père Noël. Il est venu. Le Père Noël est passé. Oh, je suis désolée de ne pas avoir pu prendre en photo le Père Noël pour vous, les bébés. Il faudra qu'on réessaye à Noël prochain. Ça, il y a tout ce qu'il faut pour se faire dorloter. On a des lotions apaisantes pour des massages relaxants. Toutes les couleurs possibles et imaginables pour les ongles. Des accessoires pour cheveux, des paillettes et des coiffures déjantées. On a même de super cool autocollants pour le visage. Et un nouveau look trop stylé. C'est parti. Mm-hmm.
te gigoter. Oups. Tu vois, Lulu, je t'avais bien dit que tu adorerais. Uniquement, ne pas appliquer sur la peau. Mince, et maintenant? Vite, que tout le monde me suive. Tout le monde a déjà meilleure mine. Pour la prochaine journée spa, je crois qu'on devrait faire un peu plus de recherches. Oh oh, Gordon aussi a un bouton. Gordon! Non! À vos marques, prêts, go! Charlie,
Tiens bien les bébés. Cela ne fera pas mal du tout. Bébé Pixie! Bébé Pixie! Bébé Pixie! Théo, Tilly, Lulu, vous allez tous mieux. C'était de la magie, Glopixies. Vous allez devoir m'apprendre à faire ça. Rappelez-vous maintenant, à la prochaine course, tout le monde doit porter un casque. À vos marques, prêts, go! Vous ne le croirez jamais, mais la gourde de Théo a disparu depuis des années. Et je ne me souviens pas de la dernière fois que je l'ai vue. Vous souvenez-vous, vous l'avez vue en dernier? Peut-être devrions-nous regarder à nouveau et chercher des indices. Venez! Alors, qui veut le costume de Peppa Pig? Comment je vais choisir si vous voulez tous être Peppa Pig? Très bien, les bébés! Celui qui tirera la tige la plus longue sera le premier à choisir son costume. À ton tour, Théo. Hein? Oh, Théo, je suis désolée que tu sois triste, mais tu pourras être Peppa la prochaine fois. Vous allez être un ninja et un papillon. On va bien s'amuser. Vous voyez, je vous avais dit que ça allait être amusant. Hein? Je me demande où sont passés Théo et Lulu. C'est étrange. On devrait peut-être aller les chercher. On s'amuserait encore plus si on jouait tous ensemble avec nos costumes. Quelque part. Charlie a besoin de nous. Il n'y a pas de temps à perdre. En avant toutes. Toboggan arc-en-ciel. Fantastique. Les bébés, vous allez déchirer le costume. Il faut partager. Peppa Pig, j'adore Peppa Pig. Regardez, je suis Peppa. Maintenant, les Glopixies vont faire des flags un peu différentes. Des flags à paillettes!
copine Charlie. Est-ce que tu as vu où Gigi a caché le costume de Peppa Pig? Regarde une nouvelle fois et essaie de le trouver.